Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite et bonne santé et que la famille, les enfants, les parents, les beaux-parents, tout le monde va bien. Donc voilà. Je voulais faire une vidéo en fait pour partager enfin ce que je pense. Je voulais vous dire ce que je pense de ce robot KitchenAid Evie Dutty. Donc je l'ai acheté sur le bon coin, 400 €. Alhamdulillah, il fonctionne, il est bien et tout. Donc vous voyez, le cordon par rapport à l'autre, il est beaucoup plus lent. Voilà, le cordon, il est beaucoup plus lent. Et bien sûr, bon, on a le truc pour monter, etc. Donc voilà, il fonctionne à toute vitesse, pas de problème. Enfin, quand je l'ai acheté, j'ai demandé à la dame de me le faire fonctionner, de m'envoyer une vidéo. Bien sûr, c'est pas toujours, on n'a pas toujours les bonnes personne honnête derrière, donc il faut toujours réfléchir de toute façon. Donc ce qui me dérange un peu, c'est juste le fait qu'on ne peut pas lever la tête pour pouvoir on va changer le fouet, et puis il y a aussi le bol, il est petit, je trouve il est petit, et puis c'est galère, vous voyez, on est obligé de faire comme ça pour sortir le bol. Donc oui, vu comme ça, quand on voit sur internet et tout, on a l'impression que c'est grand, mais vous voyez, c'est, je sais pas, moi je trouve c'est petit, et puis voilà quoi. Donc franchement, c'est cool hein. Donc après, bah, tout dépend de ce qu'on a besoin, mais bon, si je pouvais, la prochaine fois, Inch'Allah, je chercherai celui à 6 litres 9. Je pense que ce sera la bonne taille. Et puis, je pense que je vais, dès que j'aurai pris l'habitude de l'utiliser, je pense que ça va aller. Donc, voilà. Vous savez, dans la vie, tout est une question d'habitude. Donc, aussi 10 vitesses. Il y a aussi 10 vitesses, il est performant. Et puis, vous voyez, on a le truc. Bon, il faut bien sûr. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, voilà. Donc, au cas où maintenant, si vous voulez l'acheter vous aussi et tout, et que vous en avez besoin, achetez directement celui à 6 litres 9. Je pense que ce sera la bonne taille. Et puis, voilà. Après, maintenant, si vous êtes voilà, un jeune couple, voilà, celui-là suffira. Ou bien celui que j'avais avant, donc voilà. Mais autrement, si maintenant vous utilisez beaucoup, surtout pour faire du pain, etc., ce sera le 6 litres 9 qui va être plus costaud, et puis qui va prendre beaucoup aussi au niveau de la quantité. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, vous savez tout. Quand vous voulez aussi en acheter un, bien, je vous dis merci, barakallahu fikoum. À très bientôt. Salam alaikum. Merci à tous.